Yo la famille, ça va ou quoi? On est là, on se retrouve, petite vidéo Red Dead. Et oui, je sais, en ce moment, il y en a beaucoup qui sortent. En même temps, je vois que ça plaît beaucoup. Et puis, bah moi aussi, ça me plaît, ça change de GTA. Donc, on se retrouve pour un secret encore une fois. Ce n'est pas une astuce, mais c'est un secret, les frérots. Donc là, ça va être un truc vraiment étrange. Donc, si vous voulez m'aider pour toutes ces secrets, pour tous ces secrets et astuces, ajoutez-moi sur Instagram, gtaboutil-mpg. Comme ça, vous pouvez m'envoyer des localisations et des énigmes. Donc là, on est dans la partie tout en haut de la ville. Je vous fais voir la localisation à la fin. C'est un truc, mais vraiment étrange. Voilà. On y va, tranquillement. En plus, c'est... en même temps un secret, j'ai un petit peu du mal d'en parler, je vous l'avoue. C'est en même temps un secret et en même temps une localisation car vous pouvez gagner un objet dans ce truc. Voilà. Donc vous m'avez dit en première personne vous préférez. Voilà l'objet. Voilà l'énigme en question les frères. C'est pas étrange. 4 pierres. Attends parce que mon cheval il a du mal. 4 pierres. Bon vas-y. On va descendre. C'est pas évident en cheval. 4 pierres avec un corps. J'essaie de me renseigner sur Google, ils appellent ça un rituel païen. Mais par contre, je voulais essayer de vous expliquer un petit peu à quoi consiste un rituel païen. Je ne sais pas du tout les frères. Il n'y a pas beaucoup d'articles sur Google, donc j'ai pas pu voir, même sur YouTube. Si vous connaissez un rituel, surtout un rituel païen, bah, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais moi j'ai rien réussi à vous dire. Je voulais même vous mettre une petite photo des personnes à quoi ils ressemblaient, ceux qui faisaient ces rituels là. J'ai rien réussi à trouver, mais rien. Juste 2-3 photos qui ressemblaient un petit peu à la bête qui était au milieu là avec la corne là. Mais sinon il y a pas grand chose, vraiment pas grand chose. Même au niveau des signes et tout, je sais pas ce que ça veut dire, c'est assez bizarre. Donc on va commencer à fouiller, on va tout fouiller et après on va fouiller bien sûr le truc en dernier. Donc ça c'est rien. Examiner. En fait quand j'examine les poteaux, c'est moi qui fais un dessin ou c'est un dessin que je trouve? Parce que de moment je comprends pas trop. Examiner. Ah mais c'est tous examiner la même chose en fait je crois. Prendre. Ouais bah vous savez quoi? On va le faire à la fin. Ah là là. Ah c'est vraiment un rituel, vous avez vu les potos? Le sacrifice, genre une personne au milieu là. Oh purée. Une personne au milieu. Là une petite écriture. Bah je peux pas vous dire parce que je comprends pas le païen. Je sais même pas si c'est du païen. Avec une espèce d'offrande, une tête de chèvre. Oh la pauvre. Vas-y, on va commencer à prendre tous les trucs. Comme ça, vous allez pouvoir voir c'est quoi que je vous dis que vous allez trouver, que vous allez bien aimer. Moi, je sais que j'ai bien aimé. Donc là, on a vu une espèce d'offrande. Ah, il y a des têtes de mort sur le texte. C'est assez louche, hein. En plus vous avez vu, il n'y a rien autour, c'est vraiment perdu dans la forêt. Il n'y a pas trop de maisons ni rien autour. Donc ça c'est l'offrande. Ok, examiner. En fait je croyais qu'examiner c'est moi qui fais un dessin de l'endroit où je suis. Ouais parce que on entend dessiner. Il n'y a rien à lire, dommage. J'aimerais bien trouver une petite lettre. Donc là il n'y a rien du tout. La sacrifice, enfin l'offrande. Là près de la bougie, il n'y a rien du tout les poteaux. Ah ouais, si vous avez vraiment des indices sur ce que c'est un rituel païen ou quoi que ce soit les poteaux. Ah maintenant ça marque rituel païen. Parce que je sais vraiment pas du tout. Rien du tout. Rien du tout. Bon bah hop. Bon bah voilà les amis, je vais vous faire voir ce que vous pouvez trouver en même temps. Moi j'adore, je vais le garder, regardez. Vous trouvez le masque païen. Et hop, vous pouvez le mettre sur vous. Moi je trouve que ça fait assez marrant. Ça change. Donc je vais sûrement le garder maintenant. Je sais pas ce que vous en dites. Si vous aimez bien le petit masque ou quoi. Donc voilà les amis. Voilà la petite vidéo d'aujourd'hui. Peut-être un peu courte, c'est pas grave. Si demain les vidéos font moins de 5, 6, 7 minutes, c'est pas grave. Tant que vous voyez le concept. Tant que vous voyez le concept. Tant que vous voyez le principal. Donc allez-y vous-même. Vous avez vu. Un espèce de corps, qu'est-ce qu'il a? Je peux... Oh, c'est un œil. Ah ouais. Ah, dégueulasse. Ah ouais, vachement dégueulasse, son œil qui sort comme ça et tout, là. Ils ont tout enlevé. Donc si vous voulez voir le rituel païen, la famille, bah, je vais vous mettre la localisation à la fin. Donc vous avez vu, vous pourrez... Oh là là, moi j'ai vraiment du mal. Vous pourrez gagner un masque en même temps.
gratos, moi je vais le garder. Et hop, vous pourrez me dire un petit peu si vous savez sur le rituel ou pas. La localisation, elle se trouve là. À côté de Stormberry. Donc c'est vraiment tout à gauche de la map, comme vous voyez. Tout à gauche. Vous allez là. À côté du lac Ouangila. Ah, excusez-moi. Ouangila. Bon allez, sur ce la famille, moi je vous laisse. Je vous dis une bonne fin de journée et merci d'avoir regardé la vidéo. Et à toutes, et n'oubliez pas de me renseigner pour le rituel païen. Bonjour, bonjour la famille.